Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le défi qui est de détruire un transporteur de butin dans les 60 secondes après avoir sauté du bus. Alors première chose, les transporteurs de butin se trouvent uniquement dans les points chauds. Alors qu'est-ce que c'est un point chaud? C'est tout simplement un lieu dit écrit en jaune. Donc quand vous ouvrez votre carte, quand vous voyez un lieu écrit en jaune, ça veut dire que c'est un point chaud. Ça change dans chaque partie. Donc là le point chaud c'est Lazy Lagoon et Snoopy Shore. Et bien sûr dans une prochaine partie ça peut être autre chose que ces deux villes là. Donc dans ce point chaud là, vous allez avoir des transporteurs de butin. C'est des petits drones qui transportent une arme avec des munitions. Alors là vous devez les détruire en moins de 60 secondes. Donc pour ceux qui ont de la difficulté à réaliser ce défi, je vais vous donner une petite astuce. C'est tout simplement de vous atterrir, enfin de faire en sorte d'atterrir sur un transporteur de butin et de le casser avec la pioche comme vous pouvez l'apercevoir dans le gameplay. Au moins vous serez le premier à pouvoir le détruire et là c'est sûr que vous l'aurez fait en moins de 60 secondes après avoir atterri. Donc ce sera parfait, vous aurez validé votre défi. Après si vous n'avez pas réussi à spawn sur le transporteur de butin, vous pouvez toujours récupérer une arme et tout simplement le détruire avec votre arme. Voilà qui termine cette vidéo, j'espère que mes explications vous auront été utiles. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le petit code créateur sur CoolMakeYTV dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui me soutiennent jusque là. Franchement, vous êtes au top. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec. Et ciao. Peace.